Bien les amis, je n'avais pas vu que vous étiez là. Oh, vous m'avez surpris. Petit humour des familles. Donc voilà, c'est toujours quand mes pots de level up sont vides, ben voilà, je dois faire un choix dans ce qui me reste. Voilà, il me reste pas grand chose. Je vais repasser une petite commande d'ici une semaine ou deux. Donc aujourd'hui, ben, je vais faire un petit mango que j'ai des familles. On n'est pas là pour ça, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Donc moi, je me sers mon petit shaker parce qu'il fait vraiment chaud dans le geek grenier des familles. Et en attendant, ben, je vous balance le générique. Donc c'est parti! Eh bien, bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette petite vidéo. Voilà, je me suis fait un de ces mango kush des familles. Voilà, il fait tellement chaud, comme je vous dis, dans ce geek grenier. À votre santé, les gars. Ah, avec de l'eau hyper glacée. C'est trop, trop bon, les gars. Donc, voilà, je fais cette petite vidéo, ben, comme vous l'avez vu dans le titre, pour vous demander, ben, entre guillemets, ben, votre soutien. C'est plus votre participation. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo de ce style, bon, il y a un an et demi, voilà, pour... Ben, vous demander vos avis et répondre voilà, via une petite vidéo voilà, face cam ou si vraiment vous ne voulez pas vous filmer, ben, voilà, vous filmez vos collections, vous filmez votre petite décoration tout en parlant et moi je ferai un petit montage des familles voilà, comme j'avais fait avec les 5-6 participants qui avaient eu l'an passé je dirais, alors j'ai plus vos pseudos en tête. Mais je sais qu'il y avait El Famoso, Copain Codex, hein, merci à toi. Et ben, d'ailleurs, si tu vois cette vidéo que tu verras, ben, je le sais bien, ben, ça me ferait plaisir d'avoir un nouveau retour ben, cette année. Alors juste avant de vous informer, de vous préciser un petit peu ben, ce que j'aimerais bien réellement faire en vidéo, parce que l'année passée, c'était bien plus ou moins, voilà, c'était pas forcément le montage et l'attente que j'espérais, mais bon, ça va, on a quand même fait une petite vidéo de famille. Mais voilà, en attendant, pour ceux qui ne connaissent pas Level Up, qui veulent découvrir Level Up ou qui veulent faire découvrir Level Up à des amis, à votre grand-mère, etc., je vous informe, voilà, vous connaissez tous la petite starter pack des familles, voilà, qui comprend un shaker. Bon, je ne l'ai pas ici, c'est le shaker transparent avec le capuchon orange, tout orange de base, voilà, celui que vous me voyez depuis 10 ans avec, qui propose donc ce shaker avec 10 échantillons. Pour 20 euros. Alors il était à 27-28 euros. Maintenant c'est officiellement 19,99. Et depuis je dirais une semaine, deux semaines maximum, ils nous ont sorti la petite starter pack light. Bon alors la boîte est la même, il n'est pas marqué light dessus. Et en gros la starter pack light les gars, c'est une starter pack qui est à 14 euros au lieu de 20 euros. Et vous avez El Famoso Shaker, voilà, ben celui comme je suis en train de boire dedans, celui qu'on a pu ou que vous avez pu voir, qu'on avait eu dans la Mystery Box 2021. Donc regardez, il est vraiment tout neuf, celui-là, je le garde, voilà, autant user encore un petit peu les autres. Mais donc vous avez ce shaker dedans, ainsi que 5 échantillons aléatoires, voilà, puisque les échantillons, il y en a plus ou moins une dizaine, voilà, c'est les saveurs que plus ou moins vous connaissez tous, hein, voilà, le Blue Crush, le Galaxy, le Nucléaire, voilà, c'est tout un petit peu les best-sellers. Et voilà, pour 14 euros, vous avez le shaker des familles. Voilà, moi, limite, je dois prendre une starter pack. Je vais prendre la light à la limite pour avoir ben, le shaker de cette couleur-là parce que voilà, il est vraiment classe. Et 5 échantillons, bon, aléatoires, mais ce sera quand même, voilà, vous pourrez tomber sur un Galaxy, un Nucléaire, un Blue Crush, comme vous tomberez peut-être sur un Golden Fruit. Il y a les Ice Tea Pêche, voilà, enfin bref, hein, voilà, le Jungle Juice, je sais bien. Et un watermelon, enfin bref, voilà, c'est un petit peu les saveurs qu'il y a en stock en échantillon. Et voilà, ben voilà, 14 euros les gars, vous pouvez toujours profiter de 5% de réduction avec le code Ziludo. Voilà, le lien et le code sont en description de cette vidéo les gars. Donc sur ce, je rebois un petit coup et je vous explique vraiment, pour ceux qui veulent vraiment participer à la vidéo, surtout que le délai est très très court les gars. Oui, oui, il va être très très court. Donc voilà, je bois un coup, on swap. Et c'est parti. Alors voilà les amis, donc le petit but pour ceux qui n'étaient peut-être pas encore abonnés ni présents l'an passé, enfin c'est peut-être un an et demi quand j'avais fait cette vidéo, je vous résume le truc, c'est qu'en gros je vais vous poser, bon via cette vidéo, au pire je les mettrai en description de cette vidéo, je vais vous poser 3 ou 4 questions, voilà, ça va être dans l'instinct là, voilà, dans l'instinct de la vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais dire, les mots sortent tout seuls de ma bouche. Et vous, en gros, vous filmez, alors de préférence, enfin non pas de préférence, obligatoirement
en format paysage. Voilà, je l'avais déjà dit l'an passé, il y en a qui l'ont mis en mode portrait, voilà, via le téléphone. Voilà, ça coûte rien de pencher le téléphone, parce que la plupart des gens, tout le monde a un téléphone, on va dire maintenant, que ce soit iPhone ou Android, donc on peut tous filmer minimum, je pense, en 720p. Donc minimum du 720p, obligatoirement le format paysage, parce que si vous me faites un format portrait, après il faut meubler les côtés et tout, ça prend 10 ans à faire le montage. Et des rushs, voilà, par rapport aux questions, c'est question numéro 1. Alors, vous lisez la question ou pas, on s'en bat les couilles, façon de parler. Vous répondez à la question, point. Après, vous faites un petit blanc ou alors en plusieurs vidéos. Question numéro 2. Et moi, le but que je vais faire, c'est que moi, pour la vidéo, voilà, ce sera la première question. Voilà, déjà, hein, je vous la pose maintenant. Comment avez-vous découvert Level Up? Voilà. Vous pouvez résumer dans la situation que vous voulez. Soit vous avez découvert via une pub, voilà, c'est la majorité. Vous avez été voir sur YouTube, vous êtes tombé sur moi. Soit vous connaissez des partenariats Level Up, voilà, qui en testent dans du gaming, etc. Voilà, une réponse simple, courte et efficace, les gars. Et n'enchaînez pas directement, laissez des petits blancs entre les questions. Donc voilà, c'est comment avez-vous découvert Level Up, dans quelles circonstances, etc. Voilà, pas besoin de raconter sa live, hein, les gars, le but, le principal. Et c'est que moi, donc comme je vous disais, je vais poser la question là, je vais y répondre moi-même. Évidemment, ça rafraîchira la mémoire, la mienne déjà en premier, et la vôtre. Et ensuite, je mettrai la réponse de la personne A. Ensuite, la réponse de la personne B, la personne C, la personne D, E, F, G, H, et on espère peut-être aller jusque Z, voilà. Puis, hop, ça ressortera sur moi, et j'enchaînerai avec la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est, quelle est votre saveur favorite? Voilà, hein, vous me demandez toujours, mon top 3, mon top 3, mon top 3. Eh bien, maintenant, c'est moi qui vous demande, quel est votre top 3 Level Up? Alors, vous pouvez prendre tous les Level Up confondus. Voilà, n'hésitez pas, tout, que ce soit des éditions permanentes, des éditions limitées, des éditions Hydration, voilà, que ce soit les poudres ou même les versions bouteilles. Faites-moi un top 3. Voilà, si on vous dit, vous pouvez avoir 3 pots gratos, lesquels vous prendrez. Voilà, vous me faites votre top 3 Level Up, les gars. Et là, bah, même chose, hein, voilà, je ferai un top 3 et j'enchaînerai personne A, B, C, D, E, F. Et voilà, un petit top 3, les gars, c'est à vous de jouer, les gars. Alors ensuite, question numéro 3. Alors là, voilà, comme je vous dis, ça sort instantanément de ma bouche, mais vos réponses seront utiles en mode sondage, voilà, pour Level Up. Voilà, donc vos avis, vos retours, etc. sont très très importants pour ceux qui participeront. Et j'espère que vous verrez cette vidéo à temps, parce que je sais bien que dans une semaine ou dans deux semaines, il y en a qui me diront « Ah, je viens de tomber sur ta vidéo, ah, j'aurais voulu participer. » On me l'a fait 100 fois l'an passé, les gars. Donc, ne manquez pas cette vidéo. Si vous avez activé la cloche, vous voyez cette vidéo. Alors, la question numéro 3, c'est « Qu'est-ce que Level Up a changé ou a apporté ?» dans ma vie, on va dire, voilà, si vous avez ressenti des changements, si en buvant Level Up, comme moi, façon de parler, vous ne buvez plus de Red Bull ou de Monster, ou alors vraiment une fois toutes les lunes. Et quand je dis toutes les lunes, moi, c'est vraiment toutes les lunes, puisque à force de boire du Level Up, bon, je le bois à l'eau plate, j'ai fait une vidéo sur l'eau pétillante, je n'adhère pas, on va dire, en eau pétillante, donc c'est vraiment le plat. Et quand je bois un Monster, je sens le sucre, je sens la pétillance et tout. Mais voilà, ça a changé. De toute façon, vous le verrez. Voilà, je ne vais pas vous donner ma réponse exactement maintenant. Voilà, mais qu'est-ce que ça change si je vois des changements dans la vie quotidienne de tous les jours, que ce soit en faisant du sport, que ce soit en allant au taf ou plein de trucs. Voilà, donc c'est quoi chez vous, les gars? Qu'est-ce qui a révolutionné Qu'est-ce qui vous a révolutionné avec Level Up? Voilà, on veut tout savoir, les gars. Et pour la question numéro 4, alors j'ai soif, regardez, il me reste qu'un fond. Pour la question numéro 4, voilà, je pense qu'on va faire que 4 questions, voilà, puisque vous ne serez pas forcément des centaines à répondre. Après, si vous êtes des centaines, tant mieux, je vous offrirai un pot de Level Up gratos, les gars. Mais alors, il faut 100 participants, hein. Ça, c'est autre chose. Donc, pour la question numéro 4, je dirais, si une ancienne saveur de Level Up, voilà, qui a été limitée, devrait ressortir, qu'est-ce que vous voudriez, les gars? Qu'est-ce que vous voudriez? Une seule saveur. On vous dit une saveur, vous choisissez, on en fait un restock exprès pour vous, les gars. Alors là, on va pas faire un espèce de sondage. Quand la vidéo sera sortie, peut-être que je ferai un sondage sur le Discord, voilà, pour avoir un petit peu plus les avis un petit peu de tout le monde. Mais voilà, il y en a plein qui vont me dire « Ouais, on veut le Black 2020 ». Alors, entre le Black 2020,
personnellement, voilà, je vous dis déjà un petit peu mes réponses, mais entre le... d'ailleurs, vous aurez une réponse concrète quand la vidéo officielle sortira, entre du Black 2020, pour ceux qui me connaissent, du Rocket Pop, El Famoso Rocket Pop Is, du Swimming Pool, ah, El Famoso Swimming Pool, et il y en a des autres, mais je crois que c'est vraiment les trois plus gros pour moi que j'aimerais vraiment qu'ils reviennent. Et alors, pourquoi pas nous refaire, bon là, elle n'est pas dans le champ, je crois, une petite mystery box des familles, mais avec les des nouvelles saveurs, les échantillons qui n'existent pas en échantillons, qu'on n'a pas eu l'an passé dans la mystery box, comme les Crazy Monkey, les Bubble Boom. Voilà, il y a plein de gens qui n'ont jamais testé toutes ces saveurs-là. Voilà, les nouveaux qui sont sortis en 2022, comme le Gummy's Bomb ou des trucs comme ça. Il y en a vraiment plein. Le Polar Edition, voilà, le Polar Edition, bon, qui pour moi c'est un petit peu comme le Heisel Hut. Mais voilà, donc dites-moi quelle est la saveur que vous aimeriez revoir sur le marché Level Up, les gars. Et voilà. Donc, vous me faites ça en vidéo. Alors, vous me contactez par Discord ou par Instagram ou au pire par Twitter. Voilà, les liens sont dans la description. Ou au pire, voilà, il y en a certains, si vous êtes très rares, mais via la page Facebook. Vous me contactez et au pire, ben, selon la taille de votre vidéo, etc., bon, on s'arrange pour voir comment vous pouvez me l'envoyer. Alors, vous pouvez passer par WeTransfer, vous pouvez passer par OneDrive, voilà, un cloud ou un truc comme ça. Hein, si vous ne savez vraiment pas, ben, venez me contacter en privé, je vous dirai, ben ouais, au pire, tiens, tu vas sur le site de WeTransfer, voilà. Un petit coucou à Gats, voilà, parce que lui, voilà, il me fait les best-of des lives, vous savez bien. Et comme c'est des gros fichiers, ben voilà, il me les envoie par là, ça, c'est très rapide à uploader et à récupérer. Donc, on se contacte. Et je rappelle, format paysage. Le paysage des familles. Si j'en ai en mode portrait, je swap direct. Voilà, je fais mon boss, je fais mon caïd. Non, mais voilà, je ne veux pas de trucs en format paysage. Ça coûte rien de pencher le téléphone, les gars. Et bon, limite du 720p, c'est déjà bien. Si vous faites du 1080p ou même du 4K, ben vous pouvez faire du 4K, du 8K ou du 36K si tu veux. Et espacez bien vos réponses. Vous êtes même pas, à la limite, vous allez dire, vous êtes même pas obligé de citer la question, mais vous dites, hop, question numéro 1, ma saveur préférée de Level Up, boum, vous répondez. Vous mettez un blanc, ou alors vous faites 4 vidéos pour les 4 questions. Voilà, à vous de voir, les gars. Donc, sur ce, c'était une toute petite vidéo, voilà, n'hésitez pas à venir sur Discord si vous voulez en savoir plus, contactez-moi en privé sur les réseaux sociaux, etc. Et vous aurez normalement cette vidéo ce jeudi. Je clôture, voilà, je clôture très tôt. Je clôture dimanche à minuit, les gars. Voilà, vous avez 4 jours pour faire le rush. Après, voilà, tu prends ton téléphone là maintenant. Ça prend 10 minutes et après, on a 4 jours pour l'envoyer. Donc, au calme, posé. Et voilà, les gars. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, il y a une vidéo Level Up qui va bientôt sortir. Oui, encore une vidéo Level Up. Voilà, certains se doutent qu'est-ce qui va sortir. Voilà, si vous suivez les réseaux sociaux, etc. Donc, je vous en reparle très bientôt. Et voilà, pour le gaming, etc., ou les autres vidéos qui doivent arriver, c'est en cours, voilà, c'est en cours. Il faut du temps, il faut plein de trucs, et voilà. En plus, il fait super chaud en ce moment, donc je suis plus dans le jardin qu'à l'intérieur, on va dire. Donc voilà, les gars, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Activez la cloche pour ne pas manquer les vidéos. Envoyez-moi tout ça, j'attends vos réponses avec impatience en vidéo. Et sur ce, je vous dis